Voici quatre grosses têtes comme aucun musée, aucun zoo, aucun asile n'a jamais pu en réunir. Au revoir, à la prochaine fois. Des, à demain, si vous voulez bien. Des espèces en voie de disparition, comme par exemple Philippe Castelli. Je voudrais signaler aux auditeurs, parce que la radio n'est pas forcément en couleur, que M. Castelli a 5 dattes fourrées dans la bouche en ce moment, qu'il est en train d'essayer de les mâcher. On dira jamais de mal, assez de mal de la marée noire. Parce que Castelli s'est fait choper dans une marée noire. Ah oui, oui. Ils l'ont brossé pendant des heures. 4 mois pour le mais brosser. Pourquoi vous m'attaquez, ça? Il a trempé dans le mini-mire. N'arrêtez pas de m'attaquer. Ben, on arrive, là. Puis c'est pas le soir, c'est l'après-midi. L'après-midi, il est 4 heures. Il est 4h30 et t'as des dattes plein la bouche et tout va bien. Merci d'être venu goûter avec nous. Autre espèce, particulièrement intéressante, un peu pléthorique, mais robuste, mettant en valeur un système pileux digne d'un meilleur sort, car il y a de quoi tricoter je ne sais combien de layettes avec ce que vous avez à la fois sous le menton et sur la poitrine. Vous m'avez appelé, je suis velu. Carlos! Je suis velu, calme, orphelin. Le sol à peu près normal du lot, je veux dire qu'il est pas trop gros, pas trop petit, oui, il a des cheveux, il est... Bon, il n'y a rien à redire. Hein. T'as la grippe de Hong Kong, là? Oui, oui. Oh là, Martin Lamotte. Si c'est la grippe de Hong Kong, tire-toi, c'est affreusement contagieux. Faut que j'aille à Poitiers. Oui. Et puis, la nouvelle vedette, le symbole sexuel du cinéma français, ça vous explique qu'on puisse pas beaucoup l'exporter, c'est Gérard Jugnot. Ça marche toujours, votre histoire de symbole sexuel, ou c'était simplement pour lancer un film? Je ne répondrai qu'en présence de mes avocats. Ça a marché, votre film? Très bien. Oui. C'est un bon sexuel, lui. Ça marche. C'est un des rares films qu'on a fait qui marche au Québec. Bah, faut dire que l'hiver, ils n'ont pas grand-chose à faire. Voilà. Hein, mais vous contestez, M. Castelli, que M. Jugnot puisse être un symbole sexuel? Mais c'est de l'humour, grand con. Il ne peut pas comprendre l'humour, c'est autre chose. Il n'a pas fini ses dates. Si on parle de symbole sexuel pour Jugnot, c'est vraiment qu'il y a une pénurie de jeunes premiers. En ce qui me concerne, qu'est-ce que tu penses? De quoi? Au niveau du symbole sexuel que je peux représenter. Il est fort. C'est une bombe sexuelle. C'est une bombe. Chut. Et avec la bombe, il y a un sacré pétard pour mettre le feu. Hein. Non, mais vous savez, je crois que le public aime bien aujourd'hui avoir des vedettes qui lui ressemblent. Mais content. C'est gentil pour les gens. Gentil pour les publics, hein, ça fait plaisir. Est-ce que t'as demandé ta pré-retraite? Tu y as droit, Castelli? Dès maintenant. Mais je m'excuse, Julio, mais vous me donnez quel âge? Je pense. Mais à partir de 58 ans, vous avez droit à la pré-retraite. Je crois que c'est votre âge, non? Ouais. Alors, vous avez déjà fait 15 jours de rable. Je comprends bien, vous voulez que je me taille? Non, pas du tout, mais on irait faire nos émissions en direct à l'hospice, ce serait amusant. Mais cela dit, il y en a pas mal dans le gouvernement qui pourraient demander leur pré-retraite. Pas de nom. Non, je dirais pas. Ils sont très haut placés. Oui. Non, on ne doit pas avec tout le monde. Ah, mais j'aime tout le monde, moi. Je crois que vous avez rencontré M. Marchais. Oui, tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien, il avait mauvaise mine. Il avait mauvaise mine. Ouais. Il y a des places à prendre. Ah, tu pourrais être le secrétaire général du Parti communiste. T'as le look? T'as le pif? Mais pas assez vif, Romain. C'est Krasuki de profil un peu. C'est vrai. Hein. Qu'est-ce que je fais, moi? Pour toi, j'en sais rien. Il y avait un communiste que j'adorais, comment s'appelait-il déjà? Duclos. Duclos. Ah, il était fabuleux. Impeccable, pas de problème, c'est très bien. Et je te dis, avec un mec comme ça, tu deviens communiste, ça ne nous coule gros, hein, parce que je ne sais pas. Pas de problème, Duclos. Vous n'avez jamais eu de tentation de vous engager politiquement, M. Castelli? J'étais un peu royaliste. Ah, oui, c'est vrai que je vous ai vu l'autre jour en petite tenue, vous avez les genoux couronnés. C'était à peine une image, parce que quand j'étais môme, je tombais toujours. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pu trouver de reine qui puisse convenir à Castelli. Il y a eu Sapriche, c'est vrai, oui. Le roi de France, Castelli, la reine Sapriche, ce serait quand même la fête. Te moque pas, elle est très gentille. Ah oui, elle est charmante, elle n'empêche pas le bain. Oh. Bon, alors, allons, s'il vous voulez bien, du côté de la culture.
Aïe, aïe, aïe. Ça va être long, hein. Une citation que nous propose Madame Meurs de Boulogne. Mmh, de Boulogne. Oh, quelle merveille. De quel bois je me chauffe. Qui a dit en parlant de Landru, l'amoureux médiocre brûle des souvenirs, des mèches, des lettres, des gants, des fleurs. N'est-il pas plus simple de brûler toute la dame? Oh, quelle merveille. C'est pas Colette. Non. Jacques Borel. Non. Il est mort? Il est mort. C'est écrivain. Il est mort comment? Brûlé? Non, il n'a même pas été incinéré. Landru, c'est lui qui a brûlé Jeanne d'Arc? Oui. Il habite... Landru, oui. Il habitait pas près de la Tour Eiffel. À qui pensez-vous? Sacha Guitry. Non. Bon, allons. Bon. La il femme... est mort il y a longtemps? Un peu plus de 20 ans. Un humoriste? Et il avait aussi de l'humour. Il avait tous les talents, alors pourquoi n'aurait-il pas eu celui-là? Alphonse Allais? Non, il y a 20 ans. Il écrivait pour le cinéma. Il a écrit Janson. Il a écrit pour le cinéma, il a écrit pour le théâtre, il a, enfin, il a tout fait. Hein. Cocteau? Cocteau. Jean Cocteau. Ouais, Jean bonne réponse de Martin Lamy. Par hasard. De Monsieur Hubert de Bruxelles. Oh, je le connais très bien. Très sympathique. Allez, toi aussi. De qui parlait Jules Romain lorsqu'il disait « Je l'ai fort bien connu », c'était un homme très cordial, tout à fait charmant, aimable et de bonne manière. Hitler. Jouvet. Hitler. Non. Non. Sa femme. Clémenceau. Non. Un personnage célèbre. Oui. Historique. Quasiment. Landru. Landru. Bonne réponse de Carlos. J'ai cherché le pire dans l'inverse et j'ai trouvé avec mon immense talent. Tenez, Philippe, si vous voulez venir cette boîte d'olimètres que j'ai fait faire. Hitler a brûlé. De nombreux exemplaires, et ça marche très bien. Il passe un sachet d'allumettes sur lequel il y a imprimé. J'ai une envie folle de coucher avec vous. Si vous êtes d'accord, souriez. Je peux te dire que ça marche super. Hein. Et que tu gagnes 2 heures. Hein. Si tu fais la gueule, tu passes à la table d'à côté. Vous êtes un allumeur, monsieur Carlos. Ça manque de petits gadgets de contact, de communication à la comme preuve, ça. Voilà. Hein, voilà. Oui, c'est une chose admirable. Ça, c'est Castelli dit qu'il n'y a pas de débauche dans notre métier, mais enfin, on fait ce qu'on peut pour que ça démarre. Faut faire gaffe aussi si tu passes au garçon, par exemple. Tu peux te prendre une mandale dans la tête. Ou tu peux partir avec le garçon. Et j'ai souri. Hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Monsieur Chailloux de Clermont-Ferrand qui a dit « Est-il meilleur d'aimer ou d'être aimé ? Ni l'un ni l'autre si votre taux de cholestérol excède 3 mg 35. » D'un médecin. Le professeur non. Mondor. Non. C'est le mec qui l'opérait du cerveau. Ah, il en est resté un bon bout à la maison. C'est régalé son chat. C'est un homme de théâtre. Il a cru que c'était du mou d'ailleurs. C'est un homme de théâtre. Un auteur dramatique. Ah, j'ai le mal de mer à côté de lui. Vous avez un chat chez vous? Il a mangé. Non, mais il y a déjà ma prédécesseuse qui avait des chats et j'ai mis 6 mois à me débarrasser de l'odeur. Bah oui, avec tout le mou qu'il y avait chez vous, ils étaient tentés. Non, mais il suffit que tu restes 6 mois pour que l'odeur change immédiatement. Bon. Ah. Pourtant, tu ressembles à un chat. C'est ce qu'on voit écrasé sur l'autoroute. Ceux qu'on abandonne avant les vacances. Et 4 fois, je retrouve Castelli dans le bois de Boulogne avec une chienne au cou attachée à un arbre. Je crois que c'est son propriétaire qui veut s'en débarrasser. Hier soir, il m'a raconté une histoire, il y a une fille qui a tapé toute la nuit à sa porte et au petit matin, il l'a laissé sortir. Voilà, alors je peux te dire qu'elle a une grande barbe. Et moi aussi, mon petit. On connaît pas beaucoup, dans le fond, concrètement, votre pouvoir de séduction. Quand vous êtes en tournée, est-ce que vous avez des propositions flatteuses? Bah, tout le temps, je suis obligé de refuser, de faire un tri. Eh ben quoi? Tu peux expliquer comment elles disent, comment elles font? Ben elles ont tout envie, mais il y en a 52 qui ont envie en même temps. Je peux pas payer 52 hôtels. Faut se mettre d'accord avec une chaîne alors. Il y a des dames de quel âge environ? Oh, il y a tous les âges, il y a les momiches, il y a les veuves. À quoi vous les reconnaissez, les veuves? Parce qu'elles ont les yeux tout rouges et... Ils sont en noir. Mais vous cédez parfois, je dis, on peut pas refuser à tout le monde. Ben, je cède tout le temps, c'est pour ça que je suis crevé. Moi,
Bon, on va peut-être répondre à la question. Ça oui, peut-être. C'est quoi déjà un auteur dramatique. Du cholestérol. Du cholestérol. C'est un homme qui a beaucoup fait et qui continue à faire beaucoup pour le spectacle, oui. Daninos. Non. Pour le spectacle. Rousse. Non. C'est un homme de théâtre. Un auteur dramatique. Théâtre, d'abord, cinéma, ensuite, littérature. Audiard. Non. Hanouille. Non. Il n'est pas mort. Non. Il est jeune. Oh, il a 40 et quelques années, encore très jeune. Oui, enfin. Ah oui, pour moi, oui. Oui, pour vous, c'est jeune. Il a beaucoup plus de cheveux sur la tête que vous, ce qui fait qu'il fait quand même moins vieux que vous. C'est pas Dabadi ? Non. Il fait surtout du cinéma ? Oui, Chabrol, oui. Weber ? Boudard ? Non, malheureusement, vous êtes très loin, vous pataugez lamentablement. Cinéma actuel ? Ça y est, Paul. Très actuel. Boulanger ? Non. Il est passé sous un bus ? Woody Allen ? Woody Allen ! Ah, de Philippe Castelli, avec son air bête et sa vivace, on vous a quand même coiffé au poteau. De toute manière, j'ai dit n'importe quoi. C'est très difficile de coiffer au poteau. Bah, tu coiffes quelque chose, parce que même au poteau, il n'y a plus rien à coiffer. Là. Ah, tu verras, bah, ils vont tomber tes cheveux un jour. Hein. Ça m'étonnerait, parce que je mets la barbe au-dessus, ça va être vite fait. Ouais, ils tomberont, alors le jour ils tomberont, tu verras ce que je te passerai. Quand tu me passeras ton blouson, il a l'habitude des pellicules. Restons au cinéma. De M. Paquet, de Metz, quels sont les jeunes garçons israélites exempté de circoncision. Les orphelins. Les femmes. Ceux qui ne savent pas s'ils vont rester. Ceux qui se tâtent. Ceux qui ont un tout petit truc qu'on ne peut pas attraper. Il parle vraiment que de lui, c'est terrible. Ceux qui ont la céleste praline. Qu'est-ce que c'est que la céleste praline ? C'est une place drogue. C'est le pénis vu par Rimbaud. Ah. C'est quoi ça ? Non, c'est Rimbaud, t'as un ami de... un ami épicier. Qui aimait bien la confiserie fine. C'est drôle parce que... Ouais, il y a eu une céleste, mais c'était la gouvernante de Proust. Ah oui, mais c'était autre chose. Madeleine. Elle était aussi comme la praline, hein. Oh, ben d'après son livre, non. C'était céleste, mais cucu la praline. Oh, ben pendant... Moi, j'ai lu son livre, je connais pas. Ouais, je comprends. Ben, elle est pas tartignole du tout. Pas les albinos ? Non, alors vous savez que la circoncision est rendue obligatoire par la religion juive. Oui. Et pourtant, lorsque on dit au rabbin qu'un enfant présente une certaine caractéristique, eh bien, il est le premier à dire... C'est un défaut physique ? Il est sourd ? Non. C'est pas un défaut physique ? C'est pas une qualité, hein. Il a attrapé le trépomène. Oh, à quelques mois. C'est pas le trépomène, c'est le tréponème. Pâle. C'est drôle, il intervertit tout, hein. Ce ne seraient pas les enfants qui sont nés avant non, terme ou après ça. Terme non. Les enfants qui sont nés le 16 octobre naissent après le terme, ça c'est... Oui. C'est ceux qui font pipi au lit ? Oh non. Ça concerne la naissance de l'enfant ? Non, pas du tout. Non, avant la naissance ? Et d'ailleurs, on le sait avant la naissance parce que c'est une particularité familiale. Les jumeaux ? Non. Non. Les siamois ? Non. Les hermaphrodites ? Non. Attendez, laissez Castelli chercher, car il se fait à l'intérieur un travail intellectuel. Ça fume. Mais ça fait un boucan d'ici. Très intéressant. On va pas l'huiler un peu. Attends, s'il y a de la mousse qui coule dans les oreilles. Alors, c'est une particularité familiale, on sait à chaque fois, on est sûr du coup, alors. Ouais. Ah, bah bien sûr, les enfants qui sont, quand ils se coupent, ça saigne tout le temps. Ah, l'hémophilie. L'hémophilie. Bonne réponse de Gérard Jugnot, confirmée par Carlos. Bravo. Du rire et des histoires au programme des Grosses Têtes dans la nuit des temps du 18 août 1983 en compagnie de Philippe Bouvard, Carlos, Gérard Jugnot, Philippe Castelli et Martin Lamotte. Bon, question de Monsieur Duprat de Sifour-les-Plages. Quelle fonction assument les Wahhabites ? Les Wahhabites. Les Wahhabites. Wahhabites, oui. Ce sont des Indiens ? Non. Ah, c'est des Arabes. Oui, ce sont des Arabes. C'est une peuplade ? C'est une espèce de secte qui a une mission particulière, importante. Ils gardent le Coran ? Ils sont à la Mecque ? Oui. Ils sont à la Mecque, ils gardent le rocher sacré. Enfin, ils gardent la Kaaba, la fameuse Kaaba, pierre noire de la Mecque. Bonne réponse de Carlos.
que je pensais que c'était une histoire de chien. Alors je sais que Shirley Bassey a récemment épousé Joe Cocker. Et ils sont partis en voyage de noces à Nice sur la Côte d'Azur. T'es content. Je sais qu'on est de Castelli, n'importe quelle connerie, ça marche. Vengez-vous. Ah oui, tenez. Mes sœurs, au menu du déjeuner, les carottes. Ah, râpées. Oh. C'est Toto. C'est ramassé. Surtout que vous avez la même, mais avec une bicyclette. Ah oui, les sœurs, dans un couvent de bonnes sœurs, il y a les nonnettes qui, pendant la cour de récréation, elles font du vélo, alors elles poussent des petits cris de joie. Alors il y a la révérende mère qui apparaît puis qui leur dit, mes sœurs, si vous continuez à pousser ces cris, je fais remettre des selles sur vos vélos. Moi, je vous aurais bien vu à la trappe. Ah oui. Ben, moi, je ne serais pas vu du tout. Parce que vous êtes d'un naturel plutôt contemplatif. Oh, je ne suis pas contemplatif, je suis dans la lune. En plus, la robe de bure lui aurait été sûrement très bien. Remarque, pour un mec qui est dans la lune, t'es déjà plus près de Dieu que des gars qui sont sur Terre. Hein. Non, mais la robe lui aurait été... Et la trappe, on n'a pas le droit de causer. Non, et alors bah, pour ce tout. Que vous avez à dire. Hein. Tu écrirais des histoires? On n'a pas le droit d'écrire. Tu vas dans les champs. Tu on n'a pas le droit d'aller dans les champs. Si, tu regarderais passer les trains. Il n'y a pas de train. Voulez-vous vous trahir? Question de Mme Simone Noël de Bruxelles. À quoi devaient servir les premiers dessins préhistoriques découverts, par exemple, dans les grottes de Lascaux? À quoi ça servait à l'époque? Bah, signaler aux prochains occupants les bétails qu'il y avait dans le coin, la chasse. Alors, c'était effectivement un manuel de leçons de chasse. Oui. Et ça indiquait les points vulnérables, je m'excuse, les principaux animaux. Très bonne réponse de Carlos. On suppose. Ça n'a jamais été ça. On dit que c'est ça maintenant. Bon. On suppose, parce que si bien c'était l'ancêtre du dessin animé. Pour être sérieux, c'était aussi une leçon de dessin. Hein. Parce que c'était pas mal dessiné. Vous avez été dans les grottes de Lascaux? Non, je suis allé aux grottes de Bétarame. Ils vous auraient pas laissé sortir, ils auraient pensé que vous étiez d'époque, non? Mais ça, c'est une supposition, parce que non, j'ai pas lu une des supposition. Tas de choses. Non, mais je pense que c'est vrai, parce que comme il y avait des migrations en fonction des climats et des périodes de chasse, il y avait sûrement d'autres groupes d'humanoïdes de l'époque qui trouvaient des renseignements précieux à ce moment-là, parce qu'il y avait les endroits où les flèches... et les pieux pouvaient atteindre les aurochs, par exemple. Enfin, t'as pas connu cette époque-là, t'es non, trop jeune. Non, j'étais pas né. C'était l'Iden Auroch, d'ailleurs. L'Iden Auroch, oui. C'était énorme, ça. Castelli, je l'ai vu l'autre jour au zoo, il était obligé de prendre deux tickets. Un pour rentrer, un pour sortir. C'est pour ça que dans les grottes de Lascaux, à mon avis, effectivement, s'il n'était pas gardien, il n'aurait pas laissé barrer. Mais ça veut dire que ça signalait, tiens, ici, il y a des bœufs, là, il y a des taureaux, tout ça. La façon, surtout... Genre deux taux rouges, genre Goemio. D'attaquer la bête. D'attaquer la bête et d'en avoir raison. Oui, mais c'est pas vrai, on m'a expliqué d'autres choses. Non. On m'aurait dit que c'était quelque chose de magique. On dessinait l'animal... C'est une manière de se l'approprier. Mais depuis qu'il est au circus, il voit que du magique. Merci, monsieur et dame. Votre famille est dans la salle? Il est venu avec son club, car vous savez pas qu'il a un club maintenant. Fans club, ouais. Oui. Tu fais du golf? Combien? Ouais, deux, trois. Quoi. Combien c'est la cotisation? Oh, je sais pas. Vous touchez rien là-dessus? Oh, ben non, c'est philanthropique. Qu'est-ce qui l'a créé, le club? C'est sourd-muet. Qu'est-ce qu'il a créé? Je sais plus son nom. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je sais pas. Il est venu vous demander l'autorisation? Bah, j'ai jamais vu. Il écrit des histoires drôles, je crois. C'est fan club ou club des fanés? Fans club. Et les fanatiques de toi? Ouais. Il y a un insigne, il y a des photos, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Un signe de reconnaissance? Si vous envoyez 10 francs, il vous envoie un rouleau de papier hygiénique. Je sais que c'est à Argenteuil. Ah oui, ah bah c'est central, c'est bien. Et vous signez des photos parfois? Ouais. En braille? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
sắc tim nhung. Ta đã đợi, đợi bao lần em ơi. Cánh mềm mong manh giữa trời. Mùa thu đã trở về.